last number. Oh, when the saints go marching out. Oh, when the saints, when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Alors, vous avez le bah, oh, when the saints go marching in. Go marching. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching. J'ai pas ça. Ensemble. Non mais non, moi j'ai pas. Non, pas. Bonjour Karine David. Qui est Karine David? Bonjour. Bonjour à tous. Alors voilà, oui, je me présente, je suis Karine David. Donc arrivée en France par adoption plénière en 1983. J'ai grandi dans le Perche avec des Français. Ensuite, pour raison, on va dire, salariale, donc je suis arrivée dans la ville que j'habite toujours actuellement, donc qui se situe à Chartres. Donc Chartres en France, on va dire à 1h30 à peu près de Paris, notre capitale. Que dire d'autre? Voilà, j'adore chanter. C'est ma passion. Le Seigneur m'a dotée de cette voix. J'ai pu en fait et je peux aussi en faire profiter par rapport à des œuvres caritatives. Voilà. Et que dire d'autre? Alors, Karine David, vous chantez le gospel et le Negro Spiritus. Ça fait combien d'années que vous chantez ce genre de musique noire américaine? Bonne question, ça fait environ 24 années que, en fait, par le biais d'un ami, il m'a fait découvrir en fait cette musique où j'ai tout de suite imprégné. Je m'en suis vraiment imprégnée et en plus, et voilà, vous voyez, hein, je suis d'origine haïtienne. Donc ça me fait vraiment titre, c'est par rapport aussi à mes ancêtres, voilà. Donc je me suis vraiment vraiment imprégnée, je remercie justement cette amie du fond du cœur. Alors, vous parlez d'un ami, c'est qui cet ami? Ah, alors, il s'appelle Cyprien Josson. Il a parcouru beaucoup de chemins. Il m'a pris en tant que père spirituel. On a fait beaucoup de concerts. Il m'a vu grandir. Il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. On a bien sûr eu des querelles, mais voilà. Hein. Ça passe et ça passe en fait. Hein. Mais en tout cas, je ne lui ai jamais dit en face. Donc j'en profite aujourd'hui pour le remercier. Donc Cyprien Josson. Merci beaucoup, Père spirituel. Maintenant, vous avez chanté deux chansons tout à l'heure. Et quels sont les morceaux de gospel ou bien Negro Spiritus que vous aimez beaucoup et que vous pouvez nous dire que c'est le meilleur que ton porte énorme que vous donne beaucoup d'énergie? Alors, il y en a beaucoup. On va dire que la musique en fait est un voyage, donc chacun l'interprète comme il le souhaite, comme il le veut, comme il le ressent. Donc bien naturellement les grands classiques, hein, Amazing Grace, mais du coup on va dire que, admettons aujourd'hui je vais chanter une chanson comme Amazing Grace et demain je rechante, ce sera complètement différent puisque je serai dans un autre état. Mais franchement il y a vraiment tout un
panel, donc je ne peux pas vraiment choisir. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi partager, en fait, je ne chante pas pour chanter, je chante avec mon cœur, je chante pour faire voyager les gens. Donc comme je viens de le dire, de le préciser, chacun interprète ce voyage musical. Finalement, je sais bien que vous avez un grand message ou bien quelque chose que vous voulez partager avec vos fans. C'est quoi ça? Ah, ça voilà. Donc la musique adoucit les mœurs. Vous êtes bien au courant de ça, non? Et en fait, le partage, la vie, l'amour. Et arrêtons de nous prendre la tête pour des broutilles, pour des pacotilles. Et voilà, donc ma devise... En fait, hein, comme j'ai pu le dire, ma devise, donc je suis d'origine haïtienne et donc comment je pourrais dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Hein. Et l'union fait la force. Merci beaucoup, Karine David. Et je sais bien que vous allez nous chanter d'autres chansons. Merci beaucoup. Et beaucoup de concerts aussi que on va faire ensemble. D'accord, voilà. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup.